Etc., etc., etc. Oui, nous sommes en 1983. Je vous ramène en 1983 pour explorer un shmup dont vous ne pouvez pas ne pas avoir entendu parler. Puisque, monument génial dans l'histoire du jeu vidéo, ce Star Wars qui est sorti en 1983 a laissé de nombreuses traces, notamment par rapport à son aspect, puisque c'était une des premières fois où on avait un jeu en cabine. Et je vous garantis que jouer au Star Wars en cabine, vous aviez totalement l'impression d'être à bord du X-Fighter, quoi. Et l'autre truc qui jouait en sa faveur, c'était que le jeu utilisait de la 3D, mais de la vraie, pas de la 3D bullshit comme on avait vu jusque-là. En général, c'était tout le temps des plans de perspective avec des grilles plongées dans des perspectives, mais qui n'étaient rien d'autre que des trucs 2D qui donnaient une impression de 3D. Non, là, avec le Star Wars, on était en vectoriel. Certes, c'était particulier comme graphisme, mais entre l'ambiance sonore, les scènes d'anthologie qu'on revivait par rapport au film, et le fait de, pour une fois, enfin avoir une adaptation en jeu vidéo qui tienne la route, c'était du bonheur en barre. Je vous ai mis la salive, vous regrettez d'être né plus tard et de ne pas avoir pu essayer ce truc. Il y a vraiment de quoi, vous allez voir. Faudrait peut-être que j'enlève le visuel, mais alors vraiment peut-être quoi. Donc voilà, oui, ça fait très vectoriel. Alors la première fois, ça choque un peu, on se dit, tiens, c'est quoi cette merdouille? Est-ce que ça va être joli? Est-ce que ça va être praticable? Et là, devant vos yeux ébahis, le générique se dévoile en 3D. Avec de la vraie 3D. Donc remettez-vous quand même dans le contexte 1983. Et on commence à taquiner de la vraie 3D, quoi. Violent, les gars. Est-ce qu'il y aurait une petite phase démo? Je pense que oui, parce qu'il fallait attirer le chaland et entre faire couiner la machine pour qu'elle fasse du bruit et épater la galerie. Fais-nous ta petite démo, pépère. C'est pas la grosse envie, hein. Bon. La force va être avec moi, je le sens, oui. Alors, j'espère que l'émulation va être bien. Alors, On va se la faire easy, hein. Oh purée, c'est les commandes inversées comme si c'était vraiment un truc d'aviation. Le stick est super sensible, donc il y avait un pad qui était analogique. Et c'est un poil tendu, du coup, pour... Pour aligner. Oh putain que c'est génial. Je retrouve les sensations. C'est assez rigolo. C'est perturbant même. Par contre, pour aligner, c'est le bordel. Je vais vraiment pas y arriver. Parce qu'il n'y avait pas que cette phase. Donc on commence dans l'espace. Avec les petits chasseurs-tailles à dégommer. Et après, on va se taper une petite visite de l'étoile noire. Donc j'ai le choix entre esquiver, vu que je peux un petit peu me déplacer quand même dans la scène, ou bien essayer d'aligner ces damnées tourelles, mais là je vous garantis qu'avec le joypad en numérique, alors qu'il est fait pour un stick analogique, je galère totalement et je vais spoiler, puisque à la fin de ce couloir, inexorablement, il y aura le trou à viser et je ne peux pas aligner le centre, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à mettre mon curseur. Voilà. Donc je n'ai pas réussi à péter l'étoile noire et je recommence comme une grosse bouse. Je crois qu'on va rester coincé sur ça, je pourrais pas vous faire voir plus loin. C'est dommage parce qu'il y avait une autre phase. Il me semble, il y avait une phase avec des walkers à flinguer. Oui, je ferme les yeux, regarde. Et je vais vouloir viser le truc et il va bouger, je sens. Hop, on s'en... Je l'ai eu! Et là, tous les mômes.
regardez l'explosion de l'étoile noire qu'ils avaient fait eux-mêmes avec leur propre X-Fighter. Et c'était un grand moment, voilà le génie d'Atari. Alors dès le deuxième niveau, ça commence à mettre les points sur les i, genre, bon, t'as joué, t'as mis des thunes. Attends, si tu veux vraiment jouer, y'a moyen, mais... prépare le porte-monnaie, quoi. Ça va coûter un peu. Alors j'aimerais bien aller jusqu'à la phase suivante pour vous faire voir, parce que normalement il y a une phase avec des walkers. Et je vous garantis que c'est vraiment pas évident avec ce système de visée tout pourri. Enfin, pas tout pourri, qui est fait pour l'analogique. Oh, comme j'en chie. La voilà! Donc il faut bien flinguer ces espèces de boîtes à fromage, là. Toujours flinguer les étoiles qui vous foncent dessus. Et normalement, si on se démerde pas trop mal, on aura peut-être des walkers à un moment, je crois. Alors ça fait appel à des myrtilles de ma mémoire qui ne sont peut-être plus connectées. Comment ça, on n'a pas de myrtilles dans la tête? Moi, je vous garantis que si. Ben, je ne serais pas encore en train de jouer à mon âge. Logique, enfin, les gars. Oui. Eh ben, il n'y a pas les walkers, je les ai rêvés. Ok. C'est pas grave. Alors là, c'est plus drôle parce que... Et oui, il faut se faufiler en plus. Et j'ai mon joystick qui dérive, qui me fait remonter automatiquement. Regardez-moi ce feinteur. Et hop. Yes. I got the power. I got the power. Tais-toi, R2. Ça, c'est ce qu'on lui dit dans tous les films. Ta gueule, R2. Oui, il faut bien mettre son canon bien en bas et tirer comme un malade. Vous en tirez pas qu'une, hein. Vous n'êtes pas Luke Skywalker, faut pas déconner. Et donc, j'ai répété l'étoile noire. Mais pendant que je disais ça, il y a des petits malins qui se sont dit, on va en reconstruire une troisième en douce. Et là, on va lui envoyer des flopés de mecs qui savent tirer en plus. Et là, vous en étiez déjà, je sais pas combien d'argent de poche. En plus, ça devait être les premiers jeux, si vous jouiez en version cabine, comme par hasard, c'était plus cher que la version... simple borne d'arcade. Bah oui, faut amortir, les gars. Ça coûte du bois, tout ça. Bah oui, c'est déjà pas mal que je sois arrivé jusque-là dans ces conditions. Non, mais ça, c'était trop beau. Il faut l'essayer absolument en cabine, ce truc. Ça marche trop bien. Et aujourd'hui, je suis persuadé que, ça a pris un petit coup de vieux, oui, c'est certain. Mais le truc fonctionne encore. Avec le bruit bien à fond, je vous garantis que ça le fait. La cabine était vraiment bien foutue la première fois qu'on voyait un truc comme ça, et c'était impressionnant quand même, faut dire ce qui est. Voilà, je suis très content de vous avoir fait voir ce magnifique Star Wars de 1983, qui est une petite perle, un petit chef-d'œuvre, et qui fait voir que certains éditeurs comprennent plus rapidement que d'autres l'intérêt qu'il y a à faire de belles adaptations de licences. Je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau stream sur je ne sais pas quoi. Allez, on va dire que c'est peut-être une nouveauté, hein. Ça peut arriver de temps en temps. J'en profite pour signaler aux gens qui fabriquent des jeux vidéo, qui éditent des jeux vidéo, que s'ils veulent les voir chroniquer dans The Big Gamoski, ils peuvent me contacter, hein, et me proposer des jeux. C'est pas interdit, puisque le budget, là, c'est le budget d'un truc qui fonctionne en mode auto-financé gratuit. Et très honnêtement, je ne m'achète pas de jeux tous les mois. Ça n'est pas possible. Voilà, le mot est posé, si des gens sont intéressés, je pense qu'ils sont capables de contacter, et puis demain, 19h, on repart pour de nouvelles aventures. Tenez les playlists en pâture. Ciao.